Salut amis de YouTube, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Bassim doit aller chercher des documents dans un poste de garde à la porte de Khorasan. Donc ça risque peut-être d'être assez mouvementé. Je vous souhaite un bon visionnage. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu. Un petit commentaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. Bon visionnage. بينهم بالتساوي عدة As-tu autre chose à me dire au sujet du quartier de Shari? En quoi a-t-il pu intéresser Nour? Ses habitants soutiennent discrètement les rebelles. Des gens ordinaires, des ouvriers, des marchands. D'ailleurs, à bien y penser, Nour avait parlé d'un nouveau contact, un marchand. Il est possible qu'il vive à Shari, probablement parmi les ouvriers des tanneries. J'ouvrirai l'œil à la recherche d'une échoppe.
Habitants et Mohtasib tient à rappeler à tous les marchands qu'ils doivent respecter les limites de prix s'appliquant à certains produits. Il est sans autorisation express du calife. Les sanctions sont à prévoir. Que voient tes yeux ? De se sentir utile. Et on est utile ici. Hein? On est utile. Un petit instant. Derwish ? Basim ? Azizi ! Moi qui te croyais mort ! Je te croyais mort aussi ? Qu'est-ce que tu fais là ? Tu... Tes vêtements, tu es devenu l'un d'eux. Mais comment ? Un de ceux qu'on ne voit pas, oui. Grâce à Roshan. Pardonne-moi, c'est une sacrée nouvelle. En ne te trouvant pas parmi les cadavres, j'ai espéré que tu avais pu t'enfuir. J'ai passé bien des nuits à prier pour toi, pour que tu sois en sécurité. Et aujourd'hui, Allah a exaucé ses prières. Je ne suis pas digne de tes prières. Ce qui est arrivé cette nuit-là n'était pas ta faute. C'était celle d'hommes malfaisants. Tu le sais bien. C'est pour cela que tu as choisi de suivre cette voie. Et que j'ai trouvé la mienne à Bagdad. Ali ibn Mohammed est une bravache qui se prend pour un héros de prophétie. Je le méprise, mais nous avons un ennemi commun que je dois vaincre si je veux que mon âme connaisse un jour la paix. Ainsi c'est vrai. C'est donc toi le marchand rebelle qui est Dénour. Qu'est-il devenu ? Il s'accroche à la vie. Mais il est en sûreté parmi les nôtres. Je dois continuer son œuvre et traquer les oppresseurs de Bagdad. Ali Eddin Nour a approché l'un d'entre eux. Mais comme tu le sais peut-être, il a disparu entre-temps. Il n'a pas disparu. Il a été fait prisonnier. Un sort qui a frappé de nombreux rebelles. Et sais-tu où il est détenu ? Au poste de garde de la porte de Khorasan. Mais c'était il y a des semaines. Tu t'en vas même comme eux, maintenant. Te revoir m'a fait plaisir.
Fais attention à toi. Tu sais sûrement te défendre, mais je suis resté mère poule. Et Basim, si tu te sens par hasard la main, disons, leste, viens me voir. Ton aide me serait utile, pour la bonne cause, bien sûr. Tu as dit avoir besoin de mon aide, Darwish. J'imagine que c'est pour aider la rébellion. En effet. Et pour cela, l'argent est fort utile. Mais il est difficile à obtenir sans les objets adéquats. Jette donc un œil. Il paraît que des objets rares, voire uniques, dorment dans les poches de riches habitants. Soulage-les de ces fardeaux et apporte-les-moi. Je te récompenserai. Paresseux comme tu es, tu as grand usage de ces jouets. Que la paix te garde. À un de ces jours, Basim. Inch'Allah. Prête-moi ton regard.
أنت كف عن ذلك أيها الكلب أيها الأبلغ اللعين يا للوقاحة يا حزام يا سلام Enfin, ce n'est pas pour me vanter, mais j'ai coupé les oreilles de sept d'entre eux. Calme-toi. Voici l'avant-poste où Ali a été emmené. Dis-moi, vous vous entendez bien, le scribe et toi ? Pas vraiment, non. Il croit que son rang l'autorise à parler à tort et à travers. S'il me met encore des bâtons dans les roues, je le tue. Et qui s'occupera des listes de prisonniers, alors ? Toi ? Tu ne sais même pas ajuster tes brassards, alors écrire. Je veux bien apprendre. Et si ça peut nous permettre de nous débarrasser de ce chacal ? Hey!
passe quelque chose? Toi! Je te trouve, je t'écorche! Mais qu'est-ce que... Ce ne sera pas long! Hey, celui-là ressemble à un scribe. Tu as de la chance. Hey, qu'est-ce que... Laisse-moi donc garder cette clé pour toi. Voilà qui ressemble à un logement de scribe. Ah.
pistes de prison. Et toutes sont associées à des marques distinctes. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je répète encore, n'hésitez pas à mettre un petit follow, à vous abonner si vous n'y êtes pas encore, et si vous le désirez, un petit commentaire. Vous avez peut-être remarqué que dans ce poste de garde, j'ai fait quelques assassinats en mode où j'étais à couvert, même un garde assez costaud, même si en mode furtif on tue tout le monde, mais là c'est la façon de le faire. Et il y a un short associé à ce type d'assassinat sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller le voir, je mettrai le lien en description. Allez, merci encore, et à plus !